L'arbitre, your referee in charge, Michael Griffin. D'abord, dans le coin bleu, portant la culotte noire et rouge et pesant 150 livres. Introducing first, fighting out of the blue corner, wearing black trunks with red trim, he tipped the scale at 150 pounds even. En 39 combats, il a 16 victoires, 14 par KO et un verdict nul. His professional record shows 16 victories, 14 coming by way of knockout, and one draw in 39 bouts. Please welcome from Lancaster, Pennsylvania, USA, Duel, the Amish guy, Carrasquillo. Son adversaire dans le coin rouge porte la culotte bleue et argent et pèse 149,2 livres. Looking across the ring, his opponent fights out of the red corner, wears blue trunks with a silver trim. He tipped the scale at 149.2 pounds. Il est invaincu en 18 combats avec 18 victoires, 13 par KO. Undefeated in 18 professional bouts with a perfect 18 victories, 13 coming by way of knockout. De Saint-Émile, Québec, le champion NABA des mi-moyens. He is the current NABA welterweight champion, Kevin Bisier. Bel accueil pour Kevin Bisier par la foule qui ne cesse d'arriver au Centre Bell cette belle soirée. Remember to obey my commands. You protect yourselves always, gentlemen. You touch gloves now. We're boxing at the bell. Good luck. Alors voilà, nous sommes prêts maintenant pour cet affrontement. Vous le voyez, donc, un affrontement prévu pour 8 rounds chez les mi-moyens. Kevin Bisier, à 28 ans, beaucoup plus jeune que son adversaire, Duel Carrasquillo. Carrasquillo qui a failli se passer le KO après 8 fois en rentrant dans le ring, t'as vu? Il se frappait lui-même au visage. C'était un peu particulier. Bon combat, mesdames, messieurs. C'est parti. Kevin Bisier, vous le reconnaissez avec la culotte argent et bleu. Donc, dans le cas de Bisier, eh bien, il a 7 KO au premier round. Il en a 13 au total dans sa carrière, mais 7 se sont déroulés au premier round. Et du côté de Carrasquillo, lui, a été passé KO 4 fois dans sa carrière, notamment face à Mike Jones et Ronald Cruz. Tu as vu la fiche de Carrasquillo? C'est quand même assez impressionnant le nombre de combats que ce gars-là a livré en carrière. Ouais, 39 combats, 16 victoires, 14 par KO, 22 défaites, mais plus souvent qu'autrement, Carrasquillo est en mesure d'aller à la décision. C'est pas le genre de boxeur qui gagne les rounds habituellement, mais c'est un boxeur qui a toujours les mains bien hautes, qui avance toujours sur son adversaire. Vous allez voir, c'est son style. Mais pas d'expression du tout sur son visage. Non, pas du tout. Je trouve que c'est un dur de dire que le gars a déjà mangé des coups, et il en a donné également. Avec le jab, Bisier qui avance doucement sur Carrasquillo. Garde sa défensive très, très haute. Kevin, quand Carrasquillo avance vers lui. Crochet au corps, tu l'as vu? Oui, on voit Carrasquillo, justement, on regarde sa défensive. Il a les mains bien hautes, protège son corps avec ses coudes. Donc, quand même pas vraiment facile à atteindre non plus. Donc, Kevin va devoir s'ajuster là, pour trouver des ouvertures. Au centre du ring, on s'étudie à mi-chemin maintenant au premier. On va prévu pour 8. Le jab de Bisier qui est resté coincé entre les gants de Carrasquillo, mais rapidement, il a tenté de se déprendre avec la gauche, avec la droite, pardon. Alors, on a pu voir le deux petits jabs de Carrasquillo. C'est vraiment pas sa marque de commerce. C'est surtout sa main droite. C'est ce qui l'a aidé dans le passé. Et on voit là que les coups de Bisier sont beaucoup plus secs que Carrasquillo. On l'entend d'où on est, là. On l'entend très, très bien. Et ça apparaît sur le corps. Oh, belle main gauche, là. Excellent crochet. Un crochet qui a trouvé son chemin. La main arrière maintenant de Bisier. Coup complètement raté pour Carrasquillo. Jab. Bisier qui avance au corps maintenant. Carrasquillo qui l'attend. Et belle séquence, ça fait mal ça. On vous parlait du crochet au corps. Ça fait mal, et voilà, et voilà. Wow. Ça fait mal. Pas de près, c'est venu. C'est venu au ralenti. Je ne sais pas si c'est en mesure de se relever. Oui. Il se relève par expérience, je te dirais, mais ça fait mal. Il y a un peu de sang également sur son corps. Est-ce que ça vient de son nez ou de celui de Bisier? Ça vient du sien. Beau coup porté par Kevin Bisier au corps. Carrasquillo qui recule. Belle charge de Bisier avec les deux mains. Un autre genou au sol
chute pour Carrasquillo. Je suis surpris, moi. Wow, déjà une deuxième chute au plancher au premier round. Est-ce que Carrasquillo pourra demeurer en vie, ouais, survivre le premier round? C'est la grande question. Et Carrasquillo qui a regardé dans son coin son entraîneur qui lui a dit « Tiens-toi après ton adversaire, va le chercher et tiens-le dans tes bras. » Et là, ben, fin du premier round, il n'aura pas à le faire. Mais j'ai comme l'impression que là, on va resserrer la défensive dans le coin de Carrasquillo qui vient de nous regarder droit dans les yeux et il y a un doute dans son œil. Là. Il m'a pas convaincu. Non. Donc, tout un premier round pour Kevin Bizier. On vous en a parlé constamment de ce fameux crochet au corps, mais c'est ce qui a payé pour lui. Il a vraiment fait mal à Carrasquillo. Et on a vu un bon vétéran qui vient jouer au sol. On avait un point par bras. Sobre la guardia, amarrar la cuerda. Okay. Et là, tu dis, vas-y, les combinaisons, même si tu commences à la tête, tu es en bas. Le classique, c'est bon. C'est 1, 2, 3 à la tête, fini avec la crochette gauche en bas. Okay. Tu sais, retourne-y, mais vas-y de manière hypocrite. Ouais. Là, je veux pas qu'on soit surexcité avec ça, là. Okay. On va faire un beau travail méthodique. Bon travail de Mark Ramsey qui dit, gars, on se calme les nerfs, ça va bien, là. On continue à bien travailler. Oui, on a vu là, Carrasquillo qui était dans les câbles a reçu un solide crochet au corps et finalement, après quelques secondes de réflexion, a décidé de mettre un genou au sol et encore une fois, le travail, là, ça a été un enchaînement corps-tête, ah, oui, mais vraiment, ça lui a fait mal, Carrasquillo. Deux chutes au plancher déjà. OK. Like that. Have more... On est prêt maintenant pour cet autre round avec les deux genoux au sol, les deux chutes. Ben, vous le voyez sur la carte, Bizier qui mène 17 après un round. De quelle façon Carrasquillo va se replacer dans ce combat, Mike? On va le savoir rapidement. On le sent craintif, là. Bizier qui avance vers lui, Carrasquillo qui l'attend. Je crois que Kevin et Carrasquillo ne s'attendaient pas à une force de frappe aussi puissante. Kevin qui place ses coups avec beaucoup, beaucoup de puissance. Et c'est difficile pour lui, surtout parce que Kevin le frappe au corps encore une fois, on l'a vu, là. Et regarde comment Carrasquillo tente de garder le coude près du corps du côté droit parce que c'est là que ça a fait mal tantôt. Et Mark Ramsey a bien conseillé son boxeur dans le coin, lui disant, écoute, on le sait, là, on sait qu'il est dans le trouble, on va prendre notre temps. Ouais, j'ai bien aimé la réaction de Mark Ramsey quand même, de ne pas s'énerver avec tout ça. Exact. Faut pas oublier Carrasquillo a une bonne main droite. Encore au corps. Continuez à garder les mains bien hautes et continuez à travailler le corps de Carrasquillo. Bizier qui avance, Carrasquillo qui recule. Dans le coin maintenant, à côté au câble. Gauche sur sa droite, mais avec trois coups venant du côté gauche, Bizier a réagi. Et Carrasquillo, on voit là, est vraiment en mode de survie. Il a été surpris, comme tu le disais, par la force de frappe de Kevin Bizier. Là. Je pense qu'il ne s'attendait pas à ça du tout. Et là, finalement, réalise qu'il est dans le pétrin. Ce sera très difficile pour lui même de terminer le prochain round. Segment du nez pour Carrasquillo du côté gauche. Bizier qui avance maintenant avec la main arrière, la droite. Le jab maintenant. Se dirige sur son adversaire qui a perdu l'équilibre doucement ici. Rien de grave. Il y a un doute dans l'esprit de Carrasquillo, il s'apparaît. Son comportement dans le ring, Mike, nous le prouve. Il est dans le coin, mais... Échange de coups pour les deux, boxeurs. Bizier a pu se surprendre là-dessus. Ouais, absolument. Donc, toujours demeurer vigilant, c'est la preuve, on vient de le voir. Carrasquillo qui, même si... semble perdu et toujours bien vivant dans ce combat. Il peut être dangereux. Il l'a prouvé avec les deux coups qu'il a placés là. Oh, belle combinaison pour Bizier. Plusieurs coups de la gauche, on vient terminer avec la droite. Carrasquillo qui est encore le long des câbles. Bizier qui va avec la droite, la gauche. Ouais, Carrasquillo devait absolument sortir. Oh! Ça a fait sourire Bizier, ça a fait réagir la foule. Carrasquillo qui se retrouve dans le coin. Il tente peut-être lui-même de se réveiller. Carrasquillo doit absolument éviter les câbles. Souvent se retrouve le dos au câble. Moins de 10 secondes à faire maintenant au deuxième round. Carrasquillo qui se sauve. Ça a fait rire son coin, en tout cas, de le voir s'exprimer ainsi. Fin du deuxième. Carrasquillo qui s'amuse ce soir à Montréal. Ouais, il fait des pauses plastiques devant nous, là. Impressionnant, Carrasquillo, au niveau de ses poses plastiques. Ouais. Est-ce qu'on va nous faire quelques push-ups un peu à la Bernard Hopkins? Ça me surprendrait un peu. Bon round de boxe, encore une fois, domination Kevin Bizier du début à la fin. Oui, absolument. Kevin qui a amené souvent son adversaire dans le coin, comme sur cette séquence. Et là, c'est là que Carrasquillo a lancé une main droite. Ouais. Ça en prend du sol. C'est toujours dangereux quand les deux ouvrent comme ça.
Regardez bien les crochets de la gauche de Bizier. 1, 2 et 3. Et la droite qui vient terminer. Bon travail de la part de Bizier. J'aime ce que je vois à date. Regardez bien encore Carrasquillo qui s'exprime. Et là, la foule a réagi. Dans son coin, on a ri. Kevin Bizier a ri. Peut-être pour détendre l'atmosphère parce qu'il s'est dit bon, ça va pas comme je le souhaitais. Au moins, je l'ai amusé. Mais tu sais, Benoît, on disait au début de l'affrontement que Carrasquillo était vraiment dur de dur. Ouais. Et bien, même s'il a chuté deux fois au premier round, il est encore dans le combat. Et il se donne pas comme vaincu, en tout cas. Non, il est toujours pas vaincu. Marksman. Troisième round maintenant entre Kevin Bizier et aussi Doyle Carrasquillo. 19 le dernier round, ce qui porte le score à 20-16 pour Kevin Bizier. Il y a eu chute en même temps qu'il y avait un coup de portée par Kevin Bizier. Il y a eu coup de tête. Oui, coup de tête. Kevin Bizier n'a pas aimé ça du tout. Là. Tu sais ce qui est dangereux avec des boxeurs d'expérience, des fois qui savent qu'ils sont dans le trouble? Est-ce qu'on va user de vieux trucs de boxe pour tenter de faire mal à Bizier? Alors Kevin devra se méfier. C'est lui qui avance avec les deux mains maintenant, tenter de placer son coup préféré, le crochet au corps. Ça n'a pas fonctionné. On dirait que ça va un peu trop vite pour Carrasquillo, là, qui regarde tout ça aller, puis il se dit, bon, ben, qu'est-ce que je peux faire? Et les coups qui viennent... Ils sont précis et ils sont secs, les coups, ceux de Bizier. Carrasquillo, le long des corps, Bizier. Oh, beau petit crochet à la gauche. Et Carrasquillo qui s'assigne à la foule. Non, il devrait se concentrer sur ce qui se passe devant lui, là. Tout un clown, ça, Carrasquillo. Ouais, on a un clown, mais le clown s'est imaginé, là. Est-ce que je vois du sang aussi, ouais, au-dessus de l'œil gauche de Kevin Bizier? Ouais, sûrement le c'est coup de tête, ça. Ouais. Ouais, on la voit bien, la coupure. Et ça est une bonne, regarde, on la voit bien. C'est une bonne coupure au-dessus de l'œil gauche de Kevin Bizier, malheureusement. Probablement résultat du coup de tête donné en début de round. On va faire attention, là. Peut-être que ça va donner un peu... D'énergie. Et ben, un peu d'idées. Hein. Kevin Bizier peut-être de terminer le combat un peu plus rapidement. Une chose est sûre, ça semble quand même ouvert assez profondément. J'ai bien hâte de voir dans le coin là, comment on va travailler cette blessure. C'est le danger de la boxe. C'est un beau mener un combat, des fois, un coup de tête comme ça rapide. Ça peut ruiner ta performance complètement. Tout à fait. On met les deux mains. Carrasquillo qui est dans le coin. Bizier va tenter d'en profiter. Là. Avec le jab, tente de placer la droite et ensuite la gauche au corps. Belle séquence pour Kevin Bizier. Il a bien placé ses deux mains, il a bien préparé ses combinaisons. C'est très coriace, ce Carrasquillo. Ouais. Le jab de Bizier. Tente de préparer une attaque. Carrasquillo qui a tenté d'ouvrir, mais qui a complètement arrêté. Belle séquence pour Bizier qui a Carrasquillo dans le coin. Carrasquillo qui s'en est ressorti, qui a ramené l'action au centre. Maintenant, il tourne sur sa droite, revient sur sa gauche, retourne sur sa droite. Carrasquillo est vraiment un vétéran. On voit même s'il se fait ébranler, il réussit quand même à se déplacer pour ouais. éviter que l'officiel arrête le combat. Donc Carrasquillo qui veut demeurer en vie absolument. Moins de 10 secondes maintenant à faire à ce round. On la voit bien encore nous ici d'où on est, la coupure à Kevin Bizier. Là, on va devoir travailler là-dessus. Il y a du travail à faire entre le troisième et le quatrième. Je pense pas que Bizier ait apprécié. On va certainement revoir la reprise de ce qui s'est passé et le contact qu'il y a eu entre les deux têtes. Carrasquillo qui a... Oh oui, c'est une bonne coupure, là. Ça peut l'embêter, ça? Oui, évidemment, c'est savoir si on est en mesure de... Il va tout faire maintenant pour te faire perdre ton Serge, OK? Il est conscient qu'on a une petite coupure. Il va se déplacer beaucoup plus. Il va faire des bouffonneries comme il vient de faire. Dans tous les cas, on reste concentré sur ce qu'on a à faire, OK? Ton jab est superbe. Continue à travailler avec ton jab, mais là, je vais te mettre tes coups ensemble. Je te l'ai demandé le dernier round, OK? Laisse tes mains sortir. Là, t'as juste à couper le ring. Plante ton jab. Quand tu réussis à toucher avec le jab, là, je veux la combinaison, OK? Pas des un coup. Si t'as un petit peu plus de difficulté à t'approcher, c'est à toi du jab droit de jab, OK? Ouais. Un coup rendu à l'intérieur, là, tu peux travailler en face. Hein? De l'eau dans le dos, c'est bon. De l'eau dans le dos? Ouais. Ah, c'est vraiment là qu'il y a eu un coup de tête. On l'a vu, le coup de tête, c'est pas. Je pense pas que ce soit volontaire. Non, absolument pas. On va se préparer maintenant pour le prochain round. Kevin Bizier qui est encore en grande, grande forme. Voyons ce qu'il nous réserve maintenant. Box! Et cette coupure va l'embêter. 19 pour l'instant sur la fiche après 3 rounds. Combat prévu pour 8. 30-25
à l'avance, en avance, devrais-je dire, pour Kevin Bisier. La question de savoir au niveau de sa coupure, c'est est-ce qu'on est en mesure de la maîtriser pour éviter les segments qui pourraient peut-être lui obstruer la vision en tant que telle. Donc, ouais, ça reste exactement à voir maintenant comment ça va se dérouler dans ce round. Carrasco qui aura tout intérêt lui, à lancer des mains droites pour tenter d'ouvrir cette coupure là, ouais, du côté de Bisier. T'as aimé ce que Mal Ramsey lui a dit de travailler avec les deux mains? Oui, bien c'est ce qu'on veut voir de Bisier. Il y a en combinaison. Souvent, on le voit avec, y aller avec un coup puissant au corps, mais lorsqu'il lance des combinaisons, c'est là qu'il est efficace. Avertissement là, de Michael Griffin. On a demandé au boxeur de porter les coups un peu plus haut. Bisier qui tente de faire bouger, de sortir de sa garde Carrasquillo. Ça n'a pas fonctionné. Au corps, Bisier bien placé. Carrasquillo qui reste debout. Crochet avec la gauche. Jab avec la gauche. Il réussit toujours à percer la défensive. Simplement parce qu'il est polyvalent. Donc, il va au corps, va à la tête. Donc, souvent, on se demande, on tente de deviner qu'est-ce qui s'en vient. Oh! Ouais. Encore une fois, là, Bisier qui lance des coups puissants là, sur Carrasquillo. Il est rapide. J'aime la vitesse de Bisier. Ça sort rapidement. Déstabilisé là, avec un coup au corps, Carrasquillo. Belle combinaison du côté droit et du côté gauche au corps pour Bisier. La main arrière, la droite. Le jab maintenant. Un peu loin. Oh, vous avez bien fait ça. Carrasquillo qui a mal d'en prendre. Hein? Carrasquillo qui a bien accepté les coups de Bisier. Là. La gauche, la droite. On a vu Carrasquillo qui a tenté là, d'amener Bisier dans les camps, mais rapidement, là, le Québécois qui s'en est sorti assez facilement. Carrasquillo qui recule. Bisier s'en vient sur lui avec moins d'une minute à faire maintenant au quatrième round. Belle combinaison droite-gauche. C'est bien fait par Kevin Bisier. Encore une fois, il continue de travailler le corps du vétéran Carrasquillo. Oh! Belle main droite. Carrasquillo qui a bien réussi là, à atteindre Bisier. Qui est en même temps en perte d'équilibre aussi. Alors pour un boxeur là, qui a chuté deux fois au premier round, on vous l'avait dit que c'était un dur de dur. Ouais. La preuve, c'est qu'il est toujours là. Il est quand revenu, même dangereux avec sa main droite. Bisier qui avance avec 20 secondes à faire maintenant au quatrième. Jab qui a fait reculer Carrasquillo. Un coup au corps maintenant. Carrasquillo qui tourne autour de Bisier. La coupure de Kevin, là, ça semble bien là, de son côté. Il a bien travaillé, ah oui. Tu fais bien de le mentionner. Moins de 10 secondes à faire au quatrième. On est à mi-chemin de ce combat. C'est prévu pour 8 rounds. Jab de Bisier. Bien menaçant, il était loin. Et le round est terminé. Carrasquillo qui s'amuse encore et qui fait des grimaces à la foule. Ça semble être son style. On apprend à le connaître ici à Montréal ce soir. Alors, un autre bon round pour Kevin Bisier. Au moins, Carrasquillo a tenté à quelques occasions de lancer une main droite, à tenter d'amener Bisier dans les cadres, mais ça n'a pas été vraiment fructueux dans ce moment. Alors, on voit maintenant ce qu'on raconte dans les deux coins. J'ai pas peur de mixer. Des petites combines, des petites mains rapides, pas des gros shots. Pas un bon respire. OK. On jab, combinaison. Mets tes mains ensemble, Kevin. Tu sais quand on fait crochet gauche, main droite, crochet gauche au corps, les trois combinés, là. Tight defense, là, un, deux, puis en dessous. C'est le genre de combinaison que je veux voir, OK? Mets tes mains ensemble. Ouais. Come on, champion. On va savoir rapidement si Kevin Bisier prend les demandes spéciales. Ouais, ça fait deux ou trois rounds là, qu'on lui demande d'y aller, surtout en combinaison. Box. Parti maintenant pour le cinquième round. Après quatre, Bisier en avance 40-34 au pointage. Alors qu'on vient d'être arrosé par toute la sueur qui se retrouvait sur le corps de Joel Carrasquillo, qui s'est retrouvé au sol. La foule qu'il a eue. S'amuse avec cette dernière en faisant ses contacts. Non, ça va bien. Hey! Fait penser un peu à un lutteur hein, qui joue avec la foule et puis en redemande. Je pense que Bisier lui trouve pas ça très très drôle et il aimerait terminer ça. Là. Belle combinaison. Oh, ça vient fait le crochet de la gauche au menton. Carrasquillo qui est dans le trouble. Oh. Il échange, mais qui devrait peut-être pas le faire dans son coin. Lui crie de se prendre après Bisier. Le jab de Kevin Bisier. Carrasquillo qui lève les bras. La foule qui réagit. Carrasquillo, malgré tout ça, qui a lancé une main gauche finalement, mais
Bizier qui a toujours le dessus et qui fait mal à Carrasquillo. Il l'a atteint à la tête de Carrasquillo qui le sait et qui se sauve. Bizier qui ne lâche pas là, le corps du vétéran. Normalement, en boxe, et tu me corrigeras, Mike, si je me trompe, le boxeur qui niaise, qui fait des grimaces, qui lève les mains dans le ciel, c'est souvent celui qui est dans le trouble. Ben, absolument. Belle combinaison de la part de Bizier des deux mains à part ça. Carrasquillo qui va être essoufflé à force de se sauver. Là. La droite, la gauche, la droite. Carrasquillo qui est dans le trouble. Il se fait huer, là. Mais tu sais, tout à l'heure, tu me demandais une prédiction pour savoir Bizier. Je te disais peut-être un KO en fin de combat. Je pense que c'est ça qui va se passer à un moment donné. Belle combinaison avec les deux mains pour Kevin, là. Il va finir par l'avoir. Ouais. On est au cinquième round. C'est un combat prévu pour 8. Donc, je suis convaincu que Kevin va le terminer. Bizier qui est patient. 1 minute et 10 secondes à faire au cinquième. Carrasquillo est dans le coin. Bizier qui tente direct les deux mains. La combinaison qu'on lui a commandée. Oh, il dit non, mais ça lui a fait mal. Ouais, gauche, droite, gauche, ça rate de se réveiller même. J'ai l'impression que c'est Bizier qui va l'endormir, moi. Dans le coin maintenant, Bizier avec les deux mains. La droite suivie du crochet de la gauche. Le jab. Belle main arrière de Bizier, ça a touché. C'est moins drôle pour Carrasquillo, là. Ah, il se fait toucher solidement. Là. Ça a été une belle main droite entre la défensive, entre les deux gants de Carrasquillo. Qui boxe les yeux fermés, là, t'as vu? Bizier a avancé vers lui, il s'est fermé les deux yeux, a levé les mains en espérant pas trop se faire frapper. C'est vraiment pénible maintenant pour Carrasquillo. Ouais, 20 secondes à faire maintenant au cinquième, 20 secondes. Bizier qui avance, les mains sont hautes. Carrasquillo qui recule. Il sait pas trop quoi faire devant Bizier. Combinaison. Gauche, droite, gauche. Et souvent, Carrasquillo tente de tourner gaucher, mais ça donne absolument rien. Ouais, beau petit crochet de Bizier là, qui a touché encore une fois. Carrasquillo qui fait le clown encore et Bizier qui revient. Ah, il fait payer, là. Ouais, avec les deux mains, bonne combinaison, droite, gauche. Et Carrasquillo qui frappe après le coup de cloche. Et il fait signe à la foule. Non, ça me fait même pas mal. Sauf qu'il est sérieusement dans le trou dans ce combat-là. Et sérieusement en retard dans les points. On va dans le coin de Kevin Bizier. Continue à travailler avec ton jab, Kevin. Faut que tu sois un petit peu plus hypocrite que ça. Tu me coupes le ring, le jab, là, tu t'approches. Puis quand t'es dans la zone de frappe, là, c'est là qu'il faut que t'exploses. Là, faut que tu mettes tes mains ensemble. OK? Un coup, tu le fais bien. Ton jab est bon. Un coup, t'es rendu trop près. Tu me lances une shot, je veux deux, trois coups de poing ensemble. S'il réussit à se faufiler et à courir comme il fait dans le ring en ce moment, ouais, je veux que tu restes dessus pour rester près de lui. Okay. Laisse-toi pas rien. Mais il va essayer de plus en plus les derniers rondes, tu sais, c'est sa spécialité. Les derniers rondes, il essaie des grandes shots. Fait que quand tu as terminé ton offensive, je veux que tu reviennes avec les mains hautes. On coupe le ring, qu'on le surprend à commande. La mission est claire pour Kevin Bizier. On coupe le ring et on serre des deux mains. On tente de rester avec son adversaire pour être capable de bien le frapper. C'est reparti maintenant, sixième round. Des 10 partout pour Bizier après 5 rounds. 50-42, le total de la carte de Gabby Mancini. Ouais, domination totale pour Bizier. Maintenant, reste à savoir s'il va être en mesure de lui passer le KO. Pour Carrasquillo, lui, on dirait qu'une victoire serait une décision. En fait, avec décision face à Bizier avec les deux premières chutes au premier round. Ouais. Il semble trouver ça drôle et il semble provoquer la foule pour dire « Regardez-moi bien, je vais faire la limite. » Bizier qui l'amène dans le coin, tente de travailler avec les deux mains. Légère perte d'équilibre pour Carrasquillo. Beau crochet de la gauche pour Bizier. Quel bel enchaînement là, au corps et à la tête ouais. De Bizier. Carrasquillo qui s'avance sur Bizier, l'a fait reculer, mais Bizier revient devant lui rapidement. La gauche, la droite qui ont touché. Carrasquillo qui est dans le coin, Bizier qui l'a. Deux boxeurs se tiennent. Et Michael Griffin qui est venu les séparer. Bizier qui avance. La main arrière à la droite, belle combinaison. Et deux coups de soudain ensuite dans la gauche. Crochet au corps, crochet au menton. Marc Ramsey l'a souligné lors de la dernière pause. Il a dit à Kevin, c'est souvent ce qu'il essaie Carrasquillo dans les derniers rounds de lancer de longues mains droites. Donc, toujours de garder les mains bien hautes après ses combinaisons, donc se garder près de Carrasquillo, y aller en vitesse et bien sûr de revenir avec les mains bien hautes. On sait que Kevin a une combinaison qu'il aime beaucoup et Mark Ramsey lui a dit « Sois un peu plus hypocrite dans le sens où annonce-toi pas trop et ensuite surprends-le. » Il a réussi à le faire depuis le début du combat.
Un peu plus d'une minute à faire. Longue main droite pour Carrasquillo. Vizier qui ravance les mains bien haut. Amène son adversaire dans le coin et là, il l'a placé. Un bon vétéran, Carrasquillo, qui est venu rapidement chercher. Ben, je comprends pas pourquoi Carrasquillo n'a pas fait ça plus tôt dans le combat, de s'accrocher. Aurait évité vraiment plusieurs coups de poing. Là. Souvent, il voulait juste recevoir des coups de poing de Vizier. Au lieu de les éviter, il les absorbait. Donc, il s'est mis ça un peu plus difficile que ça aurait pu l'être, selon moi. Et on lui a dit dans son coin, hein, accroche-toi, essaie de ralentir le combat un petit peu. Vizier dans le coin, Kevin Carrasquillo. Belle combinaison, gauche, droite, gauche. Carrasquillo qui fait le singe encore. Et Kevin qui trouve ça drôle. Vizier qui avance. Avec des réactions comme ça, les gens dans la foule ici au Centre Bell aimeraient bien voir Vizier endormir son adversaire. Carrasquillo dans le coin, Vizier qui avance. Oh, belle combinaison droite gauche. Moins de 10 secondes maintenant à faire au round. Carrasquillo qui tente de faire bouger Vizier, ça ne fonctionne pas du tout. Tente de sortir aussi sur ses deux jambes de cet autre round. Quand on parle de boxeur d'expérience à Paris, ça sert de tous les trucs qu'il a. Tente de déconcentrer son adversaire. Se met la foule à dos. Au niveau du pointage, ça ne change rien. Non. Il est en retard solidement dans ce combat. Non, puis on vous l'a dit tout à l'heure, Carrasquillo, lui, c'est quand il gagne, c'est par KO. Quand il perd, souvent, c'est par décision. C'est bon, ton jab est bon, tu réussis à le mettre un peu ses talons, là. Mais quand tu sautes dessus, t'es trop près de lui, là, t'es pas en mesure de donner des coups de poing. Ouais. Ça me prend une meilleure distance, puis reste avec. Quand il se déplace, là, reste avec lui, oui. S'il se déplace ici, là, un petit oui, va le chercher. Faut absolument que tu restes avec lui. Moi, en fait, c'est un peu aujourd'hui, c'est pas beau, mais attends, des petits erreurs qu'il fait, là. Exact. C'est bon. Tu sais, il assène les gros. Au shot large. Ouais. On est capable de contre-attaquer là-dessus. On a la vitesse pour le faire. Ben, on le fait. Ouais, c'est bon. Belle petite combinaison. Continue à le travailler. Continue à le travailler. Deux petits rondes. Comment, Gavin? Let's go! Et c'est reparti. On relance les hostilités entre les deux hommes. 19 Vizier. Au sixième, 60-51 total de notre carte. Et là, tu le vois là, tout de suite. Carrasquillo qui veut s'accrocher. Hey, bonhomme, alors, nous sommes rendus au septième round. Ouais. Alors, on se souvient, Carrasquillo qui a chuté trois fois dans ce combat, deux fois au premier round. Et pour ceux qui croyaient que c'était la fin pour le vétéran, eh bien, il est toujours en vie, absorbe les coups de poing qui avaient visé. On vient de lui dire de ne pas pousser, c'est bien beau s'accrocher, mais là, il poussait Vizier. Il lui a fait traverser le ring au complet. Vizier qui avance vers lui. Tente de l'amener dans le coin, c'est presque réussi, mais il y a Carrasquillo qui sort de là. Il faut dire que Carrasquillo, Benoît, a passé une bonne partie de la soirée dans les cartes. Ah oui. Il y a une main droite arrière qui a touché le menton de Carrasquillo. Ça a bien fait par Vizier. Il faut faire attention au coup de tête, là. Ça devient dangereux. Là. Carrasquillo qui cherche à se coller rapidement sur Vizier. Et quand les deux avancent un vers l'autre, ça devient dangereux. Carrasquillo qui souvent le tourne gaucher, mais il s'en sert pas vraiment, lance pas plus de coups de poing. Tourne droitier, gaucher, cherche des solutions, mais c'est pas évident pour lui, là. Intervention de Michael Griffin, on sépare les deux hommes et on recommence. À mi-chemin maintenant du septième et avant-dernier round. Encore une fois, là, on s'accroche. Moins d'action, là, au septième. Ouais, un round un peu plus mollo, là. Mais Kevin qui continue à mettre la pression. Solide crochet de la droite de Vizier qui a bien réussi à frapper à la tête Carrasquillo. Bien fait par Kevin. Break! On s'accroche beaucoup trop. Il faudra commencer à boxer. Là. Un peu de boxe, messieurs. Et la foule qui réagit aussitôt. Là. Vizier qui avait Carrasquillo dans le coin. Beau petit crochet de la droite. Uppercut de la droite, pardon, et crochet de la gauche. Donc Kevin qui est un peu moins actif dans ce septième round, mais quand même réussi à placer les meilleurs coups. Est-ce que quand on se rend jusqu'au septième comme ça, on sait qu'il en reste un après, on tente d'économiser pour finir en force le huitième?
ça ressemble beaucoup à ça présentement du côté de Kevin, même si je ne crois pas qu'il soit vraiment fatigué, il a l'air en excellente condition physique. Oui. Exactement. Moins de 10 secondes maintenant à faire au 7e. Carrasco qui lève les bras pour aucune raison. Et Bizier qui avance vers lui. À moins que Carrasco pense que ce soit le dernier round de ce combat. Et là, on s'est habitué à ces faces qu'il fait donc après chacun des rounds ici. Il semble quand même très fatigué, Carrasco. Aussitôt que tu fonces dessus pour être capable de donner un coup de poing. Mais fais un step back, crée une distance entre toi et lui, puis contre-attaque-le. Amène-le dans les cordes avec ton jab. Aussitôt qu'il veut aller te chercher pour t'attaquer, step back, uppercut, crochet gauche. Là, il risque de vouloir t'assailler au début de round. Je veux pas que tu te fasses prendre les mains hautes, spinner. Mais c'est le dernier round, puis je veux qu'il se rappelle de son voyage à Montréal. Tu comprends? On va faire. Il veut faire le bouffon, là. Tu t'en vas là avec ton jab, discipliner les mains hautes, mais je veux que tu travailles. Bon respect. Come on, Kevin. Step back, contre-attaque. Pas ça, man. Step back. Box, fellas. Et voilà, dernier round de ce combat prévu pour 8. Au total, Bizier à l'avance facilement en gagnant chacun des rounds 70-60. Qu'est-ce qu'il nous réserve pour le dernier? Beau crochet, belle première combinaison pour lancer le dernier round. Et Carrasco qui trouve le moyen de danser. Carrasco, est-ce qu'il va tenter simplement de faire la limite ou va vraiment essayer un miracle du côté de Bizier? Est-ce qu'il va tenter de sécuriser une victoire par décision ou encore va vouloir passer le chaos à Carrasco? Une chose est sûre, ça devrait être un 8e round très intéressant. Carrasco maintenant qui se colle encore une fois sur Bizier. Kevin qui avance sur lui. Tente de l'amener dans le coin, mais Carrasco sort. Mais quand même, la gauche a touché là. Beau jab. Le jab a été très effectif. Très bien porté par Kevin Bizier tout le long de ce combat. Oui, t'as raison. Carrasco touché par la droite de Bizier. Excellente main droite. Oui, il a réussi à l'atteindre alors que Carrasco reculait. Bizier qui avance, qui met son adversaire dans le coin. Ce dernier se déplace beaucoup. Et Matt Ramsey lui avait demandé, suis-le, reste avec lui. Et c'est exactement ce que Bizier fait. On est presque à mi-chemin maintenant du dernier round. Combinaison gaucheoise de Carrasco. On voit Carrasco là, qui lui a décidé tout simplement d'accrocher, de survivre et terminer ce combat sur ses deux jambes. Il ne semble pas nullement intéressé là, à vouloir échanger, tenter de causer une grande surprise. Ouais. Et il sait qu'il a perdu. Là. Si ça se termine maintenant, il sait qu'il a perdu. Non, c'est clair. Sa seule chance, ce serait par KO, mais il ne semble pas vraiment intéressé non plus à tenter quoi que ce soit. Ouais. Et Matt Ramsey a dit à Kevin Bizier, je veux que tu travailles le dernier round. C'est exactement ce que Bizier fait. Là. Ouais, il continue à pourchasser Carrasco. Il tente de reculer, mais Carrasco qui réussit toujours à s'accrocher. Oui. Les gens qui l'ont eu actuellement qui n'aiment pas du tout là, de quelle façon il se comporte ce soir. Ah, oh, belle main droite de Bizier. Belle main droite à la gauche qui suit. Avec 30 secondes à faire au combat maintenant. 30 secondes. Ça, c'est vraiment c'est n'importe quoi, ça. C'est la fatigue. Il prend son temps pour se relever, fait passer du temps. L'attaque de Bizier encore une fois. Avec 15 secondes à faire maintenant. 15 secondes. Moins de 10 à faire maintenant. Kevin Bizier qui se dirige vers une victoire. Devant Doyle Carrasco. Et voilà, c'est terminé. Accolade Bizier qui sourit. On n'a pas de chaos du côté de Kevin, mais quelle performance quand même, domination totale. C'est Gauthier. Ladies and gentlemen, here from ringside is the judge's decision. Le juge Esno remet une carte de pointage de 80-68. Judge Esno scores his bout 80-68. Le juge Lapointe, 80-67. Judge Lapointe scores it 80-67.
Et le juge Roussel, 80-69. Judge Roussel scores this bout 80-69 for the winner by unanimous decision. Le gagnant par décision unanime, Kevin Bizier! C'est confirmé, victoire pour Kevin Bizier, lui qui sera avec nous dans les prochains instants, parce qu'on l'attend, il va venir nous jaser ici, dans notre espace de travail. J'ai hâte de voir ce qu'il va nous raconter, parce que il se doit d'être fier de ce qu'il a fait ce soir. Oui, puis il a fait toute une performance, et il ne faut pas oublier...